L'analyse de l'information. Tendance. Bonjour tout le monde, c'est avec même plaisir ensemble pour l'émission ça, dernier sorti nous pour semaine. Aujourd'hui, on nous choisit recevoir un candidat à la députation qui c'est Ernst Mesamour. Ernst Mesamour, c'est candidat à la députation pour circonscription au Cap-Haïtien, sous parti Remain Haïti avec lui. Nous allons faire des débats soir pour nous garder comment il était vive journée 9 d'août. Après posant, nous allons dialoguer avec lui. Gagne une maladie, y aurait les glaucome. Maladie ça, fais attention, j'ai à monter. Jou moun nan vin avec si li pa pren sa bonnet. Pren bonnet, c'est Alkay docteur Géo pour wè si ou pa gen glaucome. Pi bonnet, c'est grand matin. Nou pa ta jam imagine quantité moun en Haïti ki ka gen glaucome sans yo pa senti rien anje. Et puis yon jou matin, yo avec. Glaucome c'est une maladie que ou ka hérité nan fami ou. Kon sa tou, li ka pa et sou sans attendre, sans pa konnen ke nou genyen l. Zami, fais-moi confiance. Al checker jodi a même ka yon docteur G. Pa kite glaucome PTG ou. C'est un conseil que dispo fa voye pour tout moun ka pren précaution ak maladie glaucome en Haïti. Merci en pile pour fidélité et attention placée dans l'émission ça place ak invité nous Ernst Mesamour avec lui nous va faire débat jodi an monsieur Mesamour bonsoir c'est ak en pile plaisir n'a recevoir dans l'émission tendance bonsoir madame Gao bonsoir également à tous téléspectateurs radio ciel et télé ciel FM c'est toujours un plaisir pour partager espace ça pour capable parler avec non seulement monde qui a regardé en Haïti monde qui a regardé tout au niveau de la diaspora et en pile l'autre monde des millions de monde je dirais qui fait usage à internet là que ce soit sur Facebook sur Twitter sur WhatsApp qui a regardé reprise émission ça c'est toujours un plaisir pour moi ensemble avec vous combien candidat qui était allé à la députation pour au Cap et tu gagné à peu près 36 candidats 36 sur 36 candidats est-ce que vous estimez que vous avez fait bonne figure, même si le résultat n'est pas sorti dans le niveau KEPA? Bon, nous respectons tout ça qui gagne au niveau du décret électoral, là, qui a droit à ces deux candidats, même lors de l'élection, pour que vous réservez le droit pour avoir des informations. Mais je dis à penser que, vu le cap qu'on est, d'ailleurs, qui type de monde qui a mené l'élection, non seulement par rapport à la campagne électorale qui a été faite dans la ville, là, et par rapport à jouer vote là tout. Malgré tes grandes piles irrégularités, mais nous connaissons qui est-ce que vous votez. Voilà pourquoi il y a une pile émission qui est faite dans la ville, dans la télévision, dans la radio. Après jouer l'élection, et bien, on a déjà estimé qui est-ce qui gagne. Entre temps, et Ernst Mesamour lui-même, qui s'est servi aujourd'hui à l'émission, nous faisons une élection normale par rapport à une belle campagne électorale que nous faisons en vision derrière un programme. Et nous sommes allés sur Remain Haïti, numéro 21. Et je dis à penser, nous, un ballotage favorable pour pouvoir gagner les élections. Dès le premier tour, en fonction de documents, je vais parler de procès-verbaux qui n'en nous et n'attendre jusqu'à ce que le conseil électoral, là, de conseil avec l'autre instance, que ce soit BET ou bien BEC, ou bien l'autre monde au niveau du système d'observation qui est impliqué dans le processus, pour qu'il y ait un résultat final là par rapport à ça qu'on s'est estimé. Nous, au courant grand pilier qui a fait tout au niveau du centre de tabulation, n'attend, mais entre-temps, plus de peur que de mal, nous nous connaissons qu'est-ce que tu as voté. Nous nous avons voté Ernst Mesamour numéro 21 et n'attend à ce que le résultat qui a bien là reflète exactement ça que tu es sorti voter et dans l'élection et 9 d'août. Combien de centres de vote qui t'es gagné au Cap Haïtien? 13 centres de vote. Toutes 13 t'es fonctionné? Non, toutes 13 t'es en fonction, mais avec un pile irrégularité. Par exemple. Irrégularité qui pas t'es arrivé à fermeture au centre de vote. Ça, avant le... Est-ce que tout finalement arrivé boucler journée électorale? Non, il y a tout pas arrivé finalisé et avant l'heure pourvu que moi-même, il y a 2 centres de vote dans la section communale là, quand même, bon du Nord. Et l'école professionnelle bon du Nord là, il ferme à 3h30. Et à 3h30 que le fermé. L'élection finie. Non, à 3h30 que fermé. Mais pendant ce temps, pas de gain des autres dans la zone. C'est voulu par rapport à responsable centre de vote là, de conseil avec la police qui était impliqué tout. Parce que moi-même personnellement, le partisan Mioré, le Mio dit, mais on a un, il voulait voter, il ferme à 3h30. Comme nous étions déjà dans le centre-ville, dans le bureau, à la 14M, que nous avons regardé ce qui s'est passé par rapport à tout le centre de vote, là, ça me prend machine, je débarque, je parle avec les responsables, notamment et les responsables de la police qui ont sécurisé le centre-là. Je me dis, il y a à peine 3h30 pour que ça soit fermé. Je dis que c'est pour éviter des autres. Or, dans le sens, ça n'a pas de des autres parce que, même par rapport à ça, observateur au bail comme rapport, pas de rien au niveau de Bandi Nord. Donc, ça, son cas, côté que empêcher les citoyens de voter. Et tout le monde qui était dans le rang, tout est dit de façon très, très claire. Il y avait des journalistes qui étaient présents, ils ont dit qu'ils venaient voter numéro 20, Ernst Mesamour. Ça, c'est pour la CAI, moi.
entre temps gagné c'est 200 de vote et Jean 23 par exemple dans ville cap qui c'est un gros centre de vote qui était grand pile irrégularité moun rentre plein boîte la donne tu as des images que télévision t'es grand prend yo passé dans ville cap et je dis à demander à ce que conseil électoral là de conseil avec toute autre instance qui concerne notamment centre de tabulation pour cap mettre à l'écart tout procès-verbaux qui gain doute sur yo par rapport à moun qui plein boîte yo. À part de ça, au niveau de section communale petit temps, c'était gagné en pile des autres tout la donne, même arrivé gon monde qui mouri dans section communale ça, parce que gagné en pile candidat madame Orion qui pas fait campagne électorale. Yo estimé jodi a se mettre comme nan men yo à la veille des élections samedi soir ou bien dimanche matin puis capable faire des autres. Voilà pourquoi t'es gagné en pile des autres tout dans ce milice à Kaouna au niveau de Madeleine également t'es gagné en pile des autres. N'attend à ce que résultat ou publié pour que n'aller dans contestation avec moun pour n'aller parce que jodi a tout procès-verbal que nous avons mis, nous mettons en position favorable pour nous gagner. Et l'autre plus gros centre de vote qui gagne dans la ville, c'est le Céphile qui a 44 bureaux là-dedans. Nous-mêmes, nous avons gagné un centre de vote, qui a 44 bureaux de vote là-dedans. Et à part de ça, tu as gagné un centre de vote. 13 centres de vote. 13 centres de vote. Dans 13 centres de vote, combien de centres de vote vous gagnez sur le procès-verbal qui est dans le monde? Et procès-verbal qui a même gagné près de 8 centres de vote que nous gagnons dans le monde. Bon, notre candidat, c'est le candidat à l'APA qui, en balotant ce mavem, quelquefois monsieur premier en série de bureau, quelquefois monsieur deuxième, quelquefois premier. Parce que ça, vous comprenez dans l'élection, c'est parce que vous avez un centre de vote qui est là 44 bureaux. Vous avez un premier dans le centre de vote là, mais c'est dans 30 bureaux uniquement ou même au premier. Quand il y a la deuxième qui suivent, là, vous avez dans l'autre bureau, notamment des candidats qui n'ont pas un centre de vote là qui a gagné tout. Mais entre-temps, c'est l'offre de compiler tout pour servir à Boyo par rapport à la position dans chaque bureau qui met dans qui position premier et deuxième. Et comme. Arriver comprendre m'ta remet comme des détails sur lui majorité candidat que me recevoir dernier moment ça yo tout dit mieux que vous savez balle mais ça on t'ai gens déranger comment fait tout monde faire vous savez balle non et ça va dépendre de qui candidat recevoir moi pense que nous même nous très honnête nous aime tout et voilà pourquoi même à travers des émissions que dit tout 35 candidats ont droit des vous savez balle non et mais ça m'a expliqué à m'a dit moi très en ce sens parce que l'on vient dans élection gain droit gain monde cap gain pour servir bou yo yo en 6 copies. Il y a un pour aller directement dans le CEPA, il y a un pour BED, un pour BEC, etc. Il y a un qui pour le plaquer de l'OA. Et ensuite, deux premiers candidats, c'est-à-dire un monde qui est premier dans le bureau, même qui deuxième, il y a chaque droit à une copie. Donc, si il y a des candidats qui n'ont pas gagné, et moi, je vais aller là, je vais montrer ça que je dis que je gagne. Donc, je dis à penser que c'est le conseil électoral qui pourra bailler le mot final ou bien le résultat final. Mais entre-temps, tout candidat qui connaît ou bien pour servir à bon amour, c'est normal, vous faites valoir. Et ça que pour camper derrière elle comme résultat élection. Mais entre-temps, pour Ocap, je ne connais pas rien trop parler pour Ocap. Ocap, là, son bail qui finit que lié, je connais qui est-ce qui a voté. Dans la mesure où, Ernst Mézard, mon parrain, dès le premier tour, map dans le deuxième tour avec un grand candidat. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, c'est pas grand pile parler pour Ocap. Tout n'est dit bien, donc, moi, entre dans la logique là, tout ça fait de bon gain. Non, pas dans la logique là pour vous dire. Non, mais tout n'est dit bien. Non, pas dans la logique là pour vous que nous-mêmes, nous, on était sous élection. Non seulement quelques mois avant l'ouverture de campagne là, on avait déjà notre bureau, on avait une machine électorale qui nous mettait en branle. Et c'est seul nous, tout comme candidat, qui était formé avant l'élection était faite. 450 mandataires avec bien sûr support moun au niveau de Remer Haïti qui te voyé CPDEP former moun pour nous dans le nord. Donc je dis à penser que nous t'ai préparé pour dans l'élection et comme Ernst Mézard avec toute équipe jeune femme jeune garçon qui accompagne mieux des projets des visions ça et de ce fait nous fait différence là. Donc je dis à nous pas moun qui prend devant qui dit que nous gagnons pour le plaisir de dire qu'on gagne mais entre-temps on a les documents n'a pas que temps yo bay des résultats et gain c'est de avec une pas fait c'est par rapport à respect que nous gagne pour décret électoral là qui ban nous série de restrictions comme candidat. Mais entre-temps, nous avons un résultat préliminaire sorti. Si nous le faisons dans la contestation avec des gens qui estiment que tu es plein boîte, toute image là. Toute image là, bien content, tu es un journaliste dans différents centres de vote au Cap qui est pour une image, côté essaye de candidat faire des ordres, côté essaye de mon à plein boîte, Zamalame, tu es passé le même jour du vote. Donc je dis à penser que tout ça va servir tout. Et ensuite, il y avait tellement d'observateurs dans le Nord, les rapports sont là, que ce soit ANDDH ou bien CN ou bien l'autre monde. Et au niveau de l'international également, il y avait des observateurs. Et bien, tout rapport là, nous compilons les rapports, nous attendons à ce que y ait des résultats préliminaires là. Et Ernst Mézard, mon candidat en Haïti, après faire valoir, tout ça nous était soutenu faire le jour du vote, par rapport à tout sacrifice que nous avons fait, madame Orion, pour que nous nous positionnions dans l'élection. Et de ce fait, nous avons soutenu voter. Majoritairement des jeunes qui prennent la rue, qui votent pas bonne pas paquet. Y aurait les dans toute section qui dit que vous cherchez pour aller voter numéro 21. Vous pouvez aller voter pour ça que me dit pour le faire et pour ça que me fait déjà par rapport à la trajectoire politique moi. Donc je dis à penser que nous bien placés n'a pas de résultats préliminaires pour que nous mêmes nous aller et soit que nous gagnons dans premier tour ou bien dans le deuxième tour mais entre-temps nous
connaît tout côté que tu gagne des ordres conseil électoral là comme ça tout au niveau de centre de tabulation yo commencé tabuler n'a tant résultat yo nous souhaiter à ce que respecter votre populaire là yo respecter votre populaire là mais moment de ça comment ou comprendre journée électorale là gagne de circonscription électorale côté pas passé bien c'est violence qui émaille bon je pense que c'est un mauvais précédent la mesure où chaque élection faite dans le pays, a, ou le plus souvent, c'est de circonscriptions qui ne sont jamais représentées par rapport à des autres qui gagnent, soit dans le premier tour, ou dans le deuxième tour, Gargote, Pirède, etc. C'est le cas pour plusieurs circonscriptions dans le pays, a, notamment dans le Nord, grand pile des autres qui fait. Et vous parlez de même trois morts au niveau du département du Nord, au niveau de Cap-Haïtien, un mort au niveau de Limonade, et ensuite au niveau de Dondon, si je me rappelle bien. Donc, nous avons pensé que c'est travail tout parti politique, yo. Travail également conseil de la provisoire, là. Travail sur des civils, qui a supposé impliquer nos campagnes d'éducation civique que nous-mêmes nous avons fait au niveau de Cap-Haïtien. Nous faisons plusieurs forums, plusieurs conférences et nous parlons pile dans la presse tout pour tout partisan par nous, yo, bien cool, bien calme le jour du vote. Et nous pensons que si il y a ces deux candidats qui ne font pas ça, c'est pour mal le pays. Ya. Je dis, alors, on a parlé de résultats élections, on a parlé de garotte qui fait. Moi-même, je ne parle pas uniquement de vous sur le conseil électoral provisoire là. C'est sûr que tu as un peu de travail qui a fait, mais c'est de voir chaque monde qui est dans le système dans tout. De même que les électeurs, pour dire que les gens qui sont pas la veine ni couteau, pas la veine pour aller voter. Parce que son devoir citoyen, imaginez un jeune sont-ils pour aller voter et sur cartouche que l'on se voit. Donc, je dis, je pense que c'est nous tous qui sommes supposés être impliqués dans la bataille là, mais entre-temps, irrégularité là, comment qu'on va corriger, c'est ça la grande question pour le deuxième tour là. Mais entre-temps, tout le monde est capable de constater ça gagné. Mais on obtient à ce que dans le 50e, pour toute circonscription, représentée comme ça doit au niveau du Parlement, pour qu'il y ait vraiment un débat éclairé. Non, je pense que c'est difficile, mais entre-temps, c'est de voir nous chaque qui là, de voir conseil là en particulier, pour rendre, je dois dire, des autres qui font et corriger ça pour corriger, et puis punir ça qui supposé punir comme candidat, etc., qui permet deuxième tour à faire. Et s'il le faut, puis font troisième tour. Pour circonscription pour quoi j'aime faire, à l'instar de Akaye, côté Lucien Jura et autres candidats, il y a un problème. Je pense que c'est garder une formule qui est favorable pour organiser le premier tour pour zone Sahara, dans le deuxième tour qui pourra le gagner, et ensuite, de façon rapide, permettre de retrancher. Parce que dans le 49e, il y a un pile de circonscriptions pour ça, Mme Ouyon, qui ne peut jamais représenter. C'est comme si vous ne jouez à Mounso, pas jamais dans la Chambre des députés. Or, il y a un budget qui est voté, il y a un budget qui est alloué à chaque circonscription, c'est que Mounso a laissé pour compte. Eh bien, nous-mêmes, même si nous ne pouvons pas représenter, nous ne pouvons pas circonscription qui pas ici, mais ce serait un député du peuple. Logique, PAM, c'est permettre à ce que chaque circonscription dans le pays a gagné représentant au niveau du Parlement pour que nous gardions ça que nous avons fait ensemble dans chaque zone pour nous délivrer le pays. A. Même par quoi c'est voué sous tel parti politique, sous conseil électoral ou bien sous l'autre, chaque monde prend responsabilité pour nous permettre le processus avance comme ça doit et pour que nous gagnions deuxième lundi mois janvier un Parlement qui fonctionnel et puis dans le mois février, on a le président qui est légitime qui monte dans le Parlement national. On nous prend posant, l'un tourne nous pour regarder avec M. Mesamou, qui ça que tu as fait pour permettre que deuxième tour ne pas passer même déjà avec premier tour là, puisque il y a des actes de violence, on doit poser et puis nous tourner. C'est émission tendance si vous faites connecter, invitez-moi aujourd'hui, c'est Hans Mesamou avec lui. Nous avons fait débat aujourd'hui. Hans Mesamou, c'est candidat à la députation pour au Cap-Haïtien sous plateforme politique Remé Haïti avec lui. Débat fait aujourd'hui. Monsieur Mesamou font approche et très correct qui c'est. Faut conseil là fait tout ça capable pour 50e législature là li entrer au complet avec 119 députés. Mais là, premier tour l'an dépassé avec un pile irrégularité et violence. Deuxième tour l'on va l'organiser et élection présidentielle lui également a organisé tout. Puisque je parle de 24 d'août là pour question campagne électorale et la trier. Donc, quelques idées rapides pour irrégularité ou corriger bon côté CEP1, pour bon côté sécurité la police, en j'en pis renforcer sécurité. On nous garde l'idée ou sur question ça. Moi, je pense que premièrement, c'est sous et local centre de vote. C'est que, il y a deux centres de vote au cap, tu as l'église, l'homme de l'église là, l'un a les Don Bosco, son goural, côté que, il met un bon bureau près de 100 bureaux en dedans. C'est que son bon petit bloc, un bon petit boîte qui a séparé le bureau.
ou n'est qui rentre comme c'est nos marchés. Oui. Non mais dans marché canapé vert tout c'est comme ça. Bureau yo loté tant coûte coup pas ta petit Jocelyne. Voilà. Mm-hmm. Donc si qu'on y a un effort qui fait, peut-être gantan voyer mission dans tout département yo. Garder localisation bureau yo comment ça fait et puis comment on peut améliorer dans des écoles dans des équipes qui permettent votre la fête parce que toute revendication trois cas candidat yo c'est parce que c'est tellement gain candidat dans élection ça. Chaque candidat a voué mandataire, bon logique mettez mandataire de yo, gen ça pas rentrer du tout. Et c'est cap à nous au niveau de cap haïtien, grand pile mandataire haïtien pas gain rentrer dans quel bureau de vote. Mm-hmm. Vin bon logique de mettre ces deux mandataires et mandataire de yo et rentrer par alternance, ça va résultat. Mm-hmm. Est-ce que nous pourrons gagner un bureau qui prend tout candidat autour et on connaît pas plus qu'on y a là. On avait 54 candidats à la présidence, c'est sûr que on pourra gagner un représentant pour chaque. C'est sûr que ça qu'on là tout pour représenter sénateur et député dans le deuxième tour, notamment collectivité. Je dis à se permettre que au niveau de local ça plus ou moins aménagé et ensuite sécurité élection. Là pas être mon centre de vote qui gagne 53 bureaux par exemple, qu'on est école nationale Saint-Philomène, ouvrez 3-4 policiers la donne. Et volume monde qui prend entre vote dans 53 bureaux ça yo, si gagne un brigandage et 3 gagne policiers pas ca faire. C'est pas pour sans raison ou un comportement policier dans ces deux centres de vote. Non seulement il y a un bandit qui a pris la veste à la main, il y a deux gens qui ont fait des ordres, donc il n'y a pas qu'à gérer. Si on doit faire un autre déploiement par rapport à 102 votes, en fonction de la quantité qui est disponible, bien sûr, ce serait mieux pour le processus électoral. Entre temps, pensez tout, il y a un gros travail pour chaque parti politique qui fait. Si on a une cause là, sous deux conseils électoraux là, il ne va pas y avoir de changement. C'est pour chaque structure politique qu'on a parlé dans l'élection, commencer même par rapport à ce forum, instruction qui passe, candidat qui a fait le tout. Pour yo permettre aux partisans plus ou moins cool le jour du vote. Pour yo connaître que son campagne qui campait derrière un programme en vision, pour ce n'est pas ni couteau ni zame qui va le bailler vote là, à tel point que, quand pile candidat dans la logique, acheter bulletin pour faire des ordres dans l'élection, ça là, eh bien, on va quand même dans le bureau de vote. Yo. Donc, il y a été deux en même temps, ça a pris sans raison dans tout le pays, il y a ces deux bulletins qui de yo, sont bonnes bailles qui tapent, manigancés. Je dis à nous dire, c'est garder ça qui est supposé corriger. Mais entre temps, penser, local est très très important. Système sécuritaire là, le normal, et pour garder le tout. Et ensuite, l'heure de fermeture du bureau, yo, supposé gagner instruction de passer formellement à tout superviseur du bureau de vote, yo, pour qu'on ait gon le bureau à fermer et gon le bureau à l'ouvrir. Mais entre temps, dans chaque bureau de vote, tout, yo prévoit une quantité de monde qui a voté. Par exemple, pour député, on a mis 470 bulletins. Il y a une série de bureaux où il y a 450 qui étaient. C'est comme si il y a 20 bulletins qui utilisaient. Non, yo, ça montre que vous faites participation. Participation. Mm-hmm. Mais entre-temps, ça me le dit, c'est permettre que je dis, si on bureau t'a supposé l'ouvrir à 6h du matin, mm-hmm. mais nous venons remarquer par rapport à problème t'a supposé arranger pas arranger pour l'ouvrir à 10h, ça peut arriver, il y a un ajustement. Mm-hmm. Qu'on a ajustement de ça, est-ce que pour aller éclairage assez côté bureau de votre là hier, si on t'a supposé fermer à 4h, fermer à 7h. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est autant de questions que vous pouvez poser, mais il faut parti politique impliqué. Voilà pourquoi je remets tout parti politique chronologique, je vous dis à la, vous voyez, demander conseil électoral là, en réunion rapide, rapide, puis vous chita entre vous, puis vous venez un moyen pour vous sauver non seulement l'élection présidentielle là, mais sauver deuxième tour législatif qui permet nous renouveler le personnage politique, nous pas pour craser briser, nous supporter le processus, mais entre-temps, il nous faut des corrections. Il y a des gens qui disent que responsabilité collective, ça veut dire chaque monde, parti politique, CEP, la police, gouvernement, tout le monde qui a responsabilité dans sa crivée. Mais 4 ans, depuis que le gouvernement n'a pas fait élection, il vient faire sous 4 ans, je dis, comment sauver, ça qu'a sauvé, puisque il y a des gens qui disent annuler net, aller vers la transition. Moi, je pense que quand bon monde dans la rue a demandé annuler notamment des partis politiques sans que m'pa gagne avec eux, ce sont des monde qui t'ai accepté au gouvernement m'dit loi de consensus là, ils rentrent dedans, ils font sortir, ils rentrent dedans, ils a contrôlé et je dis à gouvernement d'accord c'est avant mais gagne qui a l'élection tout. Il y a demandé annulation c'est en fonction du résultat de prévoir parce que les procès verbaux tout là, c'est que ouais qui candidat qui voté. Mais si une série de monde accepté venir dans l'élection vini, mais dans chaque bureau de vote c'est 0 1 0 1 0 1, je dis à demandé annulation. On moun ap ka comprendre. Voilà pourquoi après un pile moun pa mande annulation. Annulation élection a permettre pays à faire go back parce que va nous financer élection pas un cop pour ça tout. C'est pour nous sauver, ça tu pourrais sauver et puis corriger ça tu pourrais corriger pour qu'il aille dans le deuxième tour. Mais entre temps penser l'on parle de tout monde supposé responsabilité on d'après ça avoir parce que tout monde ta supposé impliqué yo. Parti politique dans tout pays du monde sont fait promotion démocratie. C'est yo tout dirigeant à soutien dedans yo. C'est pour ça, c'est pas chaque leg élection pour un parti politique battre ton bureau dans le département. Gino qui le local pour 6 mois, madame Orion. Yo le local pour 4 mois, il a sauvé uniquement non pas un moyen mais entre-temps, parti politique fondé non logique pour nous dire que on voit qui même qui a supporté parti politique yo.
ça qui vient nous gérer en mauvais fan pour que structure là embrèle vraiment. Mais ça chaque leur élection anti local ou le pour 4 mois ou 6 mois, voilà pourquoi en pile monde pas vrai louer sur ce qui politique bureau dans département dans tout pays à net. Donc moi pense que c'est effort ça qui fait entre tout parce pour qu'à structure peut-être pas et il veut une logique côté que nous river du parti politique parce que même financement que tu gagne là en entend nous autant de partis politiques qui gagnent et puis on vient dispatcher comme ça. Là, bon député, qu'on a vu le capable c'est 50 000 gouttes à la veille des élections, ou pas qu'à faire avec 50 000 gouttes là, pas qu'à manger au centre de vote. Il faut bien manger, il faut bien breuvage, et là, quand on va le faire même bout de vote là, vers 4 heures, pour mon arrêter dans le dépouillement, il faut une énergie directe pour le carrébé. Donc, je dis, c'est autant de dépenses qu'on fait dans l'élection, et vu nous trouver structure politique, il y a un moyen dans le meilleur. Donc, si tu as moins que parti politique que nous avons dit là, financement que l'État haïtien dispose, l'État fait une meilleure distribution. L'État a un meilleur rendement dans l'élection. Vous connaissez les gens qui disent que la question si les gens ont annulé, c'est allemand de si, parce que les gens ont des donateurs. Est-ce que les gens ont accepté de remettre comme là? Puisque l'élection n'est pas faite, les gens ont déjà pris des engagements, ils ont pris des corps, ils ont bali. Ça, c'est tout. Blague. Bon, mais question bon, annulation, c'est vrai qu'on parle de bonheur, mais et question transition. Bon, transition, pas quoi. Je dis à penser que nous faisons bonne transition. On dit depuis après 26, c'est sous transition. Je dis à moi-même, je fais en 1980, je suis capable de passer dans le pays par rapport à l'histoire qui rapporte tout. Je dis à penser, et pas transition qui a des résultats. Si nous voulons faire démocratie tout bon, nous voulons sauver Haïti, voir pour nous mettre sous pouvoir, c'est une élection pour aller. Je pense que je dis à là, on élection a fait. Mais il faut élection correcte tout. Élection correcte, mais entre autres, c'est nous qui sommes impliqués pour le correct. Ce n'est pas l'international. Voilà pourquoi. Mais n'a pas encore besoin de faire élection. Non, ça qui est important, il faut battre nos rapatriés et ça. Et il y a dit dans plusieurs émissions passées, il faut battre pour savoir qu'on peut faire élection. Parce que ça revient de droit. Mais en tout temps, pendant nos difficultés, notamment le budget national, il faut nous permettre ces copes pays qui rentrent dans le budget. Mais en tout temps, nous supposons sauver ça pour nous sauver là. C'est que nous faisons élection avec l'aide de l'international, c'est vrai. Mais entre-temps, si nous gâtons la pi mal, il n'y a pas bon encore. Et pas oublier pour aller gagner élection en pile côté dans le monde, notamment aux États-Unis. Et il y a une couverture, qui a fait la sous-cuba. Il y a de gros dossiers qui parlent dans le monde là. Je ne sais pas pourquoi Haïti prend trop important si nous ne pas battre pour nous faire élection. Je veux dire, son pays qui c'est vrai, mais nous connaissons pas à fonctionner en huis clos pour peut-être pas nous. Nous avons un rapport avec un pilote pays, il faut que nous mettions au pas. C'est pour nous rentrer dans l'élection comme ça doit, pour nous réduire l'irrégularité autant de fois que possible. Mais entre-temps, il faut accepter tout. Ou alors dans l'élection, ou gagner, ou gagner, ou perdu, ou perdu. Non, mais toujours gagner des pertes dans le calcite, quand on veut pas boire site. Oui, mais là, ça c'est société qui supposé comprendre. Parce qu'on va comprendre aujourd'hui, il y a 54 candidats à la présidence. Il y a tout pourquoi j'aime moins nécessité. Tu peux mettre tête ensemble pour voir 4 gros, 5 candidats ou bien 5 gros candidats par rapport à la tendance qui gagne là. Nous avons fait ça au Cap pour ta fête. Au Cap, c'est unique candidat à la députation qui descend, qui rencontre individuellement les candidats à la députation. Moi, je contre, pour te dire que nous pas ennemis, c'est compétiteurs électoraux que nous. Et même pendant l'élection pour la fête, je dis qu'on fait un forum de jeunes candidats dans le Nord, par exemple. Yava estime qui est-ce qui a une meilleure chance pour le gagner, on a fait sur elle. Je suis très ouvert à ça. Oui. Et je dis ça dans plusieurs stations de radio. En dans le pays. Pas d'accord. Mais je ne veux dire, on imagine l'élection fin faite depuis dimanche soir. Je commencé à recevoir appel de monde qui était candidat en face. Moi, c'est des amis qui sont habitués. Parce que au cap de l'autre, je dis à vous dire qu'on font seul. Parce que vous voyez que, ou dans le deuxième tour, vous suspectez qu'on a gagné. Je suis très ouvert. Et je dis à grand pile de discussions que nous avons déjà avec des candidats qui sont en face. Pour que nous fassions un bloc pour la deuxième tour. Mais vous candidat à la présidence, regardez et. Profilio, ouais, c'est des gens qui t'allaient déjà, c'est des gens qui font expérience déjà, c'est des gens qui parlent pour la première fois, c'est des gens qui viennent juste pour connaître. Donc, mettre 54 personnes ensemble dans la salle pour dégager une ou bien 5 ou bien 4, c'est très difficile parce que Clarence Renaud a essayé de faire, ça va marcher. Bon, je pense que l'idée Clarence, là, c'est vraiment une belle idée, mais est-ce qu'elle est bienvenue parce que leur attend des interventions de chaque monde pense qu'il y a un présent pour peut-être pas. Au bon de ce n'est pas vrai. Il y a un bon non zone et tel, tel. Mais il n'y a pas présent pour quoi. Je dis à son machine pour qu'il perde le président. Donc je pense qu'il y a un petit genre tôt pour qu'il mette tête ensemble pour qu'il y ait c'est comme 4 candidats à la présidence pour qu'il permette grand pile de problèmes dans le pays. Et tout pas bon. Maintenant, comme grand pile qui a fait discussion, autant dans la rue là, soit PHC câble manger avec bouclier, l'autre côté, etc. Moi, je pense que je dis à lui assez bonheur pour structure politique mettre tête ensemble pour dégager de leader pour aller dans l'élection pour éviter ce qu'un 4 candidats à la présidence. Mais entre-temps, je pense que nous-mêmes, tout comme citoyens, dans la zone là, nous devons faire des débats. Surtout l'université. Dans tout le pays, il y a un problème. C'est une université, on va chercher la première idée.
pourquoi pas des conférences entre des candidats à la présidence. Et je profite de ça, lui et messieurs qui sont à New York, qui sont là, qui soit et Calan Pericles, qui a fondé match au niveau, puis qui a fait forum avec 15 candidats à la présidence, qui ont invité. Et je promets de m'avoir une délégation sur tout cap qui a venu la donne. Je dis à ces mettre tout le monde face à face pour un meilleur débat côté le campé. Et je te dis ça au cap. Et quand pile débat qui fait au cap dans ce sens-là, débat télévisé, débat radio, et le peuple a tombé relais. Puis on dit que, comparativement à problème de l'OCAP gagné, ça me tend de mon dit là, mais qui est-ce moi qui gagne meilleur profil? Donc, il faut faire ça tout pour candidat à la résidence. Faire des machines dans toute université, dit qui ça a gagné par rapport à l'université. On bon jeune qui n'a pas venu travailler dans le pays, qui ça a gagné comme solution. Par rapport à problème de la goutte là, ça a gagné. Et par rapport à tout problème pays là même. Pour un meilleur grenier et comment qu'on peut canaliser le vote là par rapport. Parce que je dis, nous supposons aller à l'élection côté nous polariser le vote là. Le vote là est mieux. Libéral bay autant de frustration ou pas j'aime carré côté résultat pour aller mais si tu as 4 5 gros blocs en un pays je pense que jodi a là ou pas j'aime ouais président dans la rue ou t'as déjà grand tendance côté le ca aller mais comparativement à tout le monde qui là les gens politiques là fait yo tout mélangé presque même programme même tendance jodi est difficile mais entre temps penser comme jeune qui a fait politique moi même au niveau de Remé Haïti comme son plateforme qui grand pile succès politique qui en dedans moi près de 6 ou bien 7 li pas encore trop tard pour mettre ces deux côtés avec d'autres pour mélanger yo de même leur structure tout que ce soit bouclier PHTK mettre tête ensemble dès que yo rassemble ra mettre tête ensemble pour que nous éviter pays y a vinn connait problème que nous connait dans élection législative yo pour que nous ka gagne moins mandataire dans bureau de vote yo parce que soit dans élection président et sénateur député mandataire pas ca dans bureau c'est pas alternance yo faire sortir puis rentrer et ça cause en pile magouille parce qu'il y a trop monde voir les élections présidentielles il va y avoir 54 plus 2 bon plus 56 donc en pile problème et grand pile candidat à la présidence qui pas un candidat au sénat dans ces deux départements donc que le président va obliger vos mandataires et l'autre sénateur va le voter tout donc on va gagner plus de monde pour le deuxième tour pour un député il prend le deuxième tour pour un sénateur donc ça veut dire qu'il y a 54 que mandataire pour et candidat à la présidence, il va gagner 4 mandataires. Pour sénateur ou député. Bon, donc il va le goumer et ensuite, pas oublier, il y a collectivité. Il y a pile de monde qui dans l'élection. Mais l'élection collectivité a fait tout. Bon, c'est la fête tout. Il y a pile de monde qui dans l'élection, par exemple, qui pourra aller comme magistrat, comme case, comme ASEC, il va aller uniquement dans la collectivité. Il va gagner ni député ni sénateur. Structure ça, pour aller voir les gens comme mandataire tout. Donc ce qui est tellement complexe, bon, c'est que je dis, nous ne pouvons pas mettre un lift une fête pour nous voir de l'eau sous CEPA. Moi-même, je me dis. Non, mais c'est le PA tout de prendre des responsabilités. D'accord. Sous question, mandat au bonheur, etc. D'accord. Mais entre-temps, tout acteur politique, je dis, a supposé rentrer dans l'île pour supporter le Conseil électoral provisoire. Là, d'ailleurs, ce n'est pas que nous avons fait sur base de consensus. Je dis, il arrive à organiser l'élection avec toute faille que vous avez. Ce n'est pas des gens qui ne peuvent pas faire. Notamment, on est politique. Sous base de consensus. Non, et pas sous base de ça. Nous avons corrigé. Mais entre-temps, nous sommes obligés par un casse brisé. Un casse brisé à permettre que l'élection finit très mal. Et puis, on a gardé le Parlement pas fonctionnel. Et puis, 7 février, par exemple, on n'a pas le national. Ou bien, nous dit transition. En transition, là, tout favorisé. On a un groupe de monde qui va faire résultat. Nous avons toute transition qu'on fait. Donc, je dis, on pense que c'est aller droite dans l'élection. Je ne te dis à tête droite. Un pile monté d'accord. Premier tour a fini fait avec un pile irrégularité. Tout ce qui est politique, notamment petit de ça, nous donnons ça ou bien comme proposition. Que conseil là, avec respect dans le pays, il a gardé toute proposition. On essaie d'améliorer ce qui est fait qui n'est pas bon. Et puis, pour aller dans le deuxième tour pour qu'on sauve l'élection. Merci un pile, Ent, mes amours, parce que vous avez pris l'invitation. Nous, dans l'émission, ça, nous avons du bon travail. N'espérez pas l'autre fois. Merci, Madame Garo. Je pense que c'est moi qui suppose remercier tout le staff télésignal là qui toujours invité. Et leur invitation vient toujours répondre tout pour que nous parlions avec téléspectateurs. Nous sommes là dans le 50e, non? Ou non, je suis toujours disponible parce que je suis toujours disponible pour toutes les médias dans le pays, notamment les médias de la diaspora. Tout le monde branche et Madame Ori au niveau de diaspora, toujours aimé garder tendance d'ailleurs. Sous chatroom, il toujours dit ça. Et je pense que vous venez José Amouno, capturez une chance pour elle parce que nous pourrons relayer le nombre de la télévision dans la ville là. Son plaisir. Et quand le groupe de José Amouno suivre nous, Madame Ori, c'est le monde qui soit WhatsApp. Quelle que soit émission télévisée qui fait une émission à travers la radio, nous avons tapé ça ou le biologue sous une forme. C'est pop la guerre. Donc José Amouno, c'est que grâce à la technologie, on émission qui est très très loin. Nous saluons tout pour nous, quelle que soit le mode façon utilisée pour de nous t'étendre là, c'est vraiment un plaisir. Merci Madame Garo, à la prochaine. Merci en pile pour fidélité et attention placée dans l'émission ça. Nous casser rendez-vous lundi soir avec même plaisir, pas oublier pendant week-end ça, tendance hebdo.